Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue à Corbeil-Essonnes dans le bureau de monsieur le maire pour les vœux du maire 2022 et de la municipalité. Bonjour monsieur Piriot. Bonjour. Alors monsieur le maire, vous avez choisi de faire une cérémonie des vœux un petit peu différente du fait d'un contexte sanitaire on l'aura compris particulier mais voilà, pourquoi ce rendez-vous et qu'est-ce qui va se passer Alors, on a choisi, on a été un peu contraint, hein. nous avons euh, attendu jusqu'au bout euh, la décision du préfet et puis euh, la raison euh, l'a emporté euh, de ne pas organiser les vœux que nous avions prévus demain euh, au Palais des Sports de Corbeil-Essonne. Et nous sommes attachés euh, à ces grands moments de partage, euh, partager des projets communs. Voilà. Et d'ailleurs, on a mis euh, cette année euh, sous le signe de la fraternité Corbeil-Essonne, euh, la fraternelle. Et donc, euh, une chose est d'être sérieux, de respecter les règles sanitaires. Une autre est de confiner la démocratie, et ça fait 18 mois qu'on a cherché à empêcher de confiner la démocratie au moins à Corbeil-Essonne, et, et donc de multiplier les rencontres. Et donc on s'est dit, plutôt que de, de, de parler tout seul et de parler de nos projets, il était plus pertinent, plus démocratique même de permettre à six personnes, six corbeillers sonnois, trois hommes, trois femmes, de, de venir ici euh, nous interpeller, nous les élus et à travers la majorité, euh, le maire que je suis, sur les sujets qui les préoccupent et que ce soit aussi pour moi l'occasion euh, de présenter nos projets pour euh, pour 2022. Voilà faire en sorte que l'année soit vraiment fraternelle. Alors un choix de, de discussion, je dirais, citoyenne avec des citoyens. Alors on va accueillir Adèle, qui est un, un jeune, qui représente l'association notamment Culture et Loisirs. Bonjour Adèle, alors il va venir s'installer. Voilà, culture et loisirs pour tous. Merci Adèle d'avoir accepté de venir aujourd'hui rencontrer donc oui. euh, Monsieur le Maire et de discuter. Vous souhaitiez parler de l'insertion des jeunes et eh bien, un peu plus largement, je dirais, de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Voilà, merci à vous pour l'invitation. Donc aujourd'hui, ma question pour vous, Monsieur le Maire, c'est tout d'abord, euh, alors comme nous, on est sur, beaucoup sur le secteur de Corbeil, on a beaucoup de jeunes en ce moment et qui sont en décrochage scolaire du fait qu'ils sont pas affectés à leur lycée de secteur qui est le lycée Robert Doisneau Corbeil-Essonnes et certains qui ont de grandes problématiques pour trouver un stage ou un patron d'apprentissage, il y en a qui ont même arrêté l'école par rapport à ce problème-là. Très bien, merci de s'être prêté à l'exercice. Donc euh, on a fait de, 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 de la jeunesse, de l'enfance, de l'éducation euh, une priorité pour euh, les, les quatre ans et demi qui restent euh, du, du mandat, pour tout le mandat. Avec Michel Noailles, euh, le maire adjoint en charge de, de ces questions de réussite scolaire, Elsa Touré de la jeunesse et, et Benjamin euh, Ledrou-Maguet, plus particulièrement sur les questions universitaires. Voilà trois élus qui ont euh, une obsession. C'est de permettre à chaque jeune de Corbeil-Essonne de réussir son parcours de vie. Ce n'est pas des paroles en l'air, euh, puisque j'ai eu l'occasion, euh, lorsque j'étais élu au département, de donner la parole aux jeunes. Et quand on donne la parole aux jeunes, eh bien, nous, les adultes, on, est, euh, on, on apprend des choses. Parce que le propre de la jeunesse, c'est que c'est un moment de la vie où on n'est plus un enfant. On n'est pas forcément encore complètement un adulte à l'âge qu'on a, et euh, il faut les écouter pour, pour les comprendre. Je pense d'ailleurs que la société n'a pas forcément un regard très généreux sur, sur la jeunesse, et que quand on les écoute, ils nous parlent de cela. Ils nous disent, aidez-nous à, à nous accompagner pour réussir notre projet de vie. Alors concrètement, en 2022, nous allons euh, organiser des grandes assises de la jeunesse, avec Elsa Touré notamment, donner la parole aux jeunes. Vous écoutez, vous exprimez sur tous les sujets et on en tirera des enseignements pour tout le mandat et, et agir euh, en fonction de ce que vous allez nous dire. J'ai une conviction, c'est vrai, les jeunes, oui, aiment s'amuser, aiment faire du sport, aiment se cultiver, mais dans la société d'aujourd'hui, ils veulent réussir leur projet de vie. Ça commence, euh, vous l'avez dit, sur euh, ne pouvoir aller au lycée douano. On a découvert ça en arrivant, on en avait une petite idée, mais on a découvert que un tiers des élèves de troisième euh, à corbeil essonne des quatre collèges, eh bien, euh, sont affectés ailleurs qu'au lycée de C'est une injustice. Adèle, justement, vous, vous me disiez en euh, antenne que euh, effectivement, c'est un constat, c'est-à-dire que même euh, comme lycée de secteur, finalement, certains jeunes n'ont pas accès à, à, à ce lycée. Exactement, parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas tout simplement n'ont pas été affectés, n'ont pas eu l'autorisation pour être dans ce lycée-là. Et pour un jeune d'aujourd'hui. Euh, comme on peut savoir, certaines familles ont des difficultés financières. Avoir une carte pour prendre le bus, se retrouver à l'autre côté dans une autre ville, euh, prendre le train, c'est pas facile pour ces personnes-là. Alors, on a fait une manifestation déjà hein, cette, cette année euh, euh, qui a eu un écho. Hein, on, a, on a dit à tous ces jeunes qui étaient. Il y en a qui sont désolés. Hein, ils ont leurs copains, leurs frères, leurs sœurs qui vont à Douaneau et on leur dit bah, Toi, tu vas aller à Ménci, toi, tu vas aller à Bondouf. On a fait une manifestation, on a été entendu pour quelques cas, mais ce n'est pas satisfaisant. Le droit aux études, c'est qu'il n'y a aucun jeune de corbeil qui doit être affecté ailleurs. Et donc, on est en train de travailler, notamment Michel, avec, avec le, le rectorat, avec l'inspection d'académie, pour que, dès l'année prochaine, on soit assuré que tout le monde soit pris. Donc, ça ne dépend pas que de nous. Mais vous voyez, une municipalité, ça sert aussi à agir. Et donc, on, on va continuer. On, on est en, en janvier, bientôt février. C'est en mars, avril que tout ça se, se joue, en fait. Hein. Donc, euh, on a prévu euh, une rencontre euh, avec le lycée euh, Douaneau, avec l'inspection de l'académie, les enseignants, les jeunes euh, qui seraient euh, concernés pour se mobiliser et faire en sorte que tout le monde soit pris. Et puis, il y a peut-être un débat qu'il faut faire euh, grandir, c'est peut-être que si le lycée Douaneau est trop petit, bah, peut-être qu'il revient à la région, euh, euh, à la présidente de la région, euh, occupée en ce moment, mais enfin, elle est toujours présidente de la région, <laughs> de peut-être créer un cinquième lycée dans le secteur. Euh, et, et, et là, on débattra. Mais en attendant, c'est pas parce que le lycée d'Oano est très demandé que les jeunes de doivent être doivent aller ailleurs. Donc, mobilisation euh, là-dessus. Et par rapport à l'histoire des stages et des contrats d'apprentissage, parce que je vous en parle parce que déjà ça a été une expérience pour moi. Euh, il y a quelques années de cela, pendant une année, je n'ai rien fait à part travailler puisque j'étais en recherche d'un contrat d'apprentissage pour un, une licence troisième année. Et vu euh, les jeunes en ce moment, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont dans cette situation-là. Mm -hmm. Et ils ne peuvent pas euh, continuer leurs études sans valider leur année avec un stage ou un contrat d'apprentissage Alors, euh, pareil, on a cette préoccupation euh, à cœur. D'abord, on a décidé de montrer l'exemple et nous-mêmes prendre des apprentis à la ville de Corbeil-Essonne. Hein. On essaye par an une vingtaine, hein, c'est toujours ça. Euh, des stages, j'ai reçu il y, a, il y a une semaine... Euh, 9 jeunes de 13 ans du collège Louise Michel, mais je vais, je vais recevoir les, les élèves que nous prenons en stage parce que, évidemment, l'éducation nationale elle demande aux jeunes un stage, mais après à eux de se débrouiller pour le trouver. Et bien, on sait bien qu'il y a des jeunes pour lesquels ça va être plus facile en fonction du réseau des parents, et puis il y en a, a d'autres, ça va être plus compliqué quoi pour des parents qui n'ont pas de réseau et c'est pas de leur faute. Donc, déjà, nous on prend des jeunes en stage de la troisième en apprentissage à la ville. Mais ça ne peut pas faire le compte avec les milliers de jeunes qui sont à Corbeil-Essonne. Alors, avec Hichem Boukouba, qui est maire adjoint en charge du développement économique, et la mission locale que je préside, eh bien, euh, nous allons organiser cette année, 2022, c'est l'année où on va se tourner vers les employeurs de la ville, et on a une ville qui est très très riche en emplois. Et alors, on pense à la SNECMA, à XFAB, mais il y a un réseau de PME, Brezard au Tarteret, de petites entreprises énormes. Et donc, nous avons prévu cette année dès le printemps, trois rencontres de tous les chefs d'entreprise de Corbeil-Essonne, euh, de leur RH, mais aussi les patrons. Il faut qu'ils viennent. D'ailleurs, je le dis, ils bénéficient d'aide de l'État. Euh, Xfab, des millions d'euros pour, pour se développer. Il faut que la jeunesse de Corbeil en profite. Donc, la municipalité va organiser la rencontre des jeunes en recherche et d'emploi et de stage et d'apprentissage et avec les chefs d'entreprise. Donc, ça, c'est un des axes importants. De 2022, on a fait une première rencontre au Palais des Sports cette année, avec Jamel Sherad et la mission locale, sur justement des jeunes, les derniers qui n'avaient pas trouvé de stage, des dizaines et des dizaines ont trouvé. Il faut en faire un système qui fasse qu'il n'y a pas un jeune de Corbeil qui se retrouve le bec dans l'eau. Voilà. Peut-être sur la question encore de, de, de la jeunesse, parce qu'on voit... Vous avez plus de, de 20 ans, donc il y a des préoccupations de, fortes liées à l'emploi. Mais euh, la jeunesse, c'est aussi euh, le collège, et donc je, je suis en mesure d'annoncer que euh, en 2022, c'est l'année où nous allons lancer euh, la construction du cinquième collège à Corbeil-Essonne. Euh, on a dû prendre une décision, effectivement, un peu en urgence parce que il y a là encore des jeunes, par exemple, qui doivent aller à Louise-Michel, qui habitent mon conseil, et qui sont obligés d'aller à la Nacelle et à Ville C'est, imaginez, à 11, 12 Ans, euh, devoir traverser la ville, c'est impossible. Nous allons oui. donc euh, nous avons acheté, je le dis au corbeillers sonois euh, nous sommes propriétaires, il y a une symbolique de la résidence des pinsons qui appartenait à Serge Dassault. Nous l'avons acheté à la famille et euh, j'espère qu'en mars à l'assemblée départementale portée par nos deux conseillers départementaux Alexandre Maquestio et Fadila Chourfi, normalement le dossier du cinquième collège devra passer à l'Assemblée départementale, c'est une nouvelle importante. L'école, c'est aussi la cité éducative. Moi, je remercie tous les élus de la, la ville qui sont mobilisés pour obtenir 950 000 euros, c'est un nouveau dispositif, pour euh, permettre que euh, l'éducation se fasse à l'école, mais aussi avec le monde associatif, faire rentrer la culture, le sport euh, dans les écoles et puis dans, dans les quartiers. Et donc là, euh, voilà des, des beaux projets euh, devant nous. Bah merci beaucoup, merci Adèle d'avoir accepté de répondre à, à nos questions. Merci. On va continuer, à tout à Monsieur le Maire, par rapport à ses vœux 2022. Vous l'aurez compris, un, un système de questions-réponses, d'échanges. Les, les questions sont libres. Hein, on n'a absolument pas à cherché à, à guider, à part des thématiques euh, qu'on a proposées. Vous avez vu la, pro, la problématique et la, pardon, la spécificité autour de la jeunesse. Les questions euh, qui nous tarodaient. On va recevoir tout de suite euh, l'INSEE, euh, l'INSEE qui nous vient des Tarterets. L'INSEE est contact, elle est habitante de, de, de Corbeil, Essonne, et elle souhaite, je vous en prie, l'INSEE va nous, nous rejoindre. Elle, elle souhaite parler notamment des loisirs des enfants et savoir comment occuper les ados et les jeunes adultes. En gros, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter et puis nous dire voilà, euh, quelles questions vous souhaiteriez développer avec, avec monsieur le maire Bonsoir Monsieur le Maire. Bonsoir. Alors euh, aujourd'hui, euh, ça fait 4 ans que j'habite au, au Tarteret. Alors j'ai euh, trouvé une problématique, euh, puisque j'ai un petit je suis maman. Et euh, aujourd'hui euh, à Corbeil-Essonne, il y a un vrai problème parce qu'on n'a pas de, de, pas de loisirs. Les enfants euh, s'ennuient, ne, on ne sait pas où est-ce qu'on peut euh, les emmener pour... Euh, pour se divertir. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu comme euh, comme activités loisirs pour occuper euh, les, les enfants et les adolescents euh, de Corbeil pour éviter euh, euh, de traîner ou alors de s'ennuyer à la maison euh, face euh, aux écrans et Ça allait même jusqu'au 18-25. Hein, vous parliez aussi de cette tranche d'âge, hein, c'est-à-dire des tout-petits jusqu'aux jeunes adultes, je dirais. Voilà. Bonsoir et merci d'être là aussi. On, on s'était rencontrés effectivement une seule fois d'ailleurs, hein, au Tarteret, lors de cette magnifique réunion au mois d'octobre. 250 habitants, je le dis là, des Tarterets, euh, pour parler de la transformation du quartier. Et euh, sujet au Tarteret, je le dis, euh, que porté par Oumar euh, Dramé, euh, Assadou Kouré, Sophia Luz, Fatima Lallemand, Alhamad Jella et Jella Kinkela, on a beaucoup d'élus qui viennent du quartier des Tarterey, C'est une chance parce que c'est un, un, un quartier important de la ville et euh, qui va subir une transformation urbaine, deuxième phase de la rénovation urbaine. Euh, euh, cette année, on va signer une convention avec l'État pour transformer le quartier. Et quand on écoute, là encore, les habitants... Souvent, l'État, en rue c'est euh, je démolis, je reconstruis, je démolis, je reconstruis. Quand on écoute les habitants, ils nous, bon, ils sont sensibles au fait qu'il y ait besoin de logements de qualité, euh, d'équipements, mmh. mais ils ont besoin effectivement euh, euh, de, de loisirs. Ils ont besoin de rencontres sociales. Euh, euh, et ils nous parlent beaucoup de ça, quoi, d'événements, etc. Donc, mmh. euh, ça passe. Je le dis là, d'ailleurs, pour le quartier des Tarterets, euh, se rééquiper quand même. Des loisirs, il faut des équipements. Je le dis là. Il euh, n'y a pas eu de gymnase construit dans cette ville, euh, nouveau, depuis 1992, alors qu'on a gagné 20 000 habitants. Alors il y a des projets qui, pour vous répondre, qui vont être à moyen et long terme, mais nous mmh. sommes en train d'obtenir de l'État. Qui voulait raser un gymnase au Tartaret pour en construire un, nous allons euh, gagner, que le gymnase avenue du général de Gaulle va être conservé et on va avoir un gymnase tout neuf. À côté du, du collège, c'est le projet que, que nous lançons. Des loisirs, équipements, ben, au Tarteret par exemple, euh, il y a une ancienne chaufferie qui a un beau bâtiment. Eh bien, nous sommes en train de discuter avec les habitants, les élus, pour que cet équipement devienne un nouvel équipement culturel de rencontre au cœur du quartier euh, des Tarterets. Donc ça, c'est euh, l'aspect euh, équipement. Mais c'est vrai que euh, voilà, il faut des colonies de vacances on est passionnés nous par le fait qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus d'enfants qui partent qui partent en, en colo et donc bah, dès cet été. On a ouvert un petit peu les vannes, avec d'ailleurs des dispositifs aussi de l'État, hein, des vacances éducatives, etc. Et, et pour 25 euros, il y a des gamins qui ont pu partir en vacances, faire apprendre le cheval, etc. Donc ça c'est... On va développer les colonies de, de vacances. Mais moi, je ne dirais pas que tout va bien, parce qu'en 18 mois, évidemment, il y a encore beaucoup à faire, notamment pour que nos maisons de quartier, c'était un peu compliqué de comprendre ces dernières années à qui elles étaient ouvertes, aux jeunes ou pas aux jeunes, aux familles. Nous, voilà, on a un projet. Pour que les espaces villes, les maisons de quartier, euh, d'ailleurs la ville est assez équipée, hein, elle mérite euh, d'être rénovée, enfin euh, partout il y a des maisons de quartier où on peut voir des films, euh, se rencontrer, euh, mmh. avoir des petits spectacles. On va mettre l'accent dès cette année et d'ailleurs recruter des personnels qualifiés pour accompagner nos animateurs et faire en sorte que dans tous les quartiers de la ville, ce soit ouvert aux familles, aux associations pour multiplier les activités. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mmh. mais ça, c'est l'intention. Aussi, une nouvelle un peu incroyable, mais on vient de l'apprendre. C'est encore l'objet d'un contentieux. Nous avions un centre de vacances à Corbeil-Essonne, les ors, à la montagne, euh, qui appartenait aux habitants. Euh, malheureusement, la municipalité, il y a 25 ans, l'a vendu. Mais la vente n'a pas été effective et on est en train d'apprendre que peut-être on pourrait récupérer la propriété des ors. Super centre de vacances à la montagne, connu de, de ceux qui ont 30-40 ans aujourd'hui parce qu'ils y sont passés. Et euh, on a bien l'intention euh, de trouver un mode de gestion qui nous permettrait de refaire partir les enfants euh, à la montagne. Mais j'en donne une petite dernière. Je suis allé avec Rénal Jourdain, Mère Jones Sport et, et Michel Noailles dans le Cotentin il y a un mois. Créer un partenariat entre une école de voile au bord de la mer et l'école, le club de voile de Corbeil-Essonne. Et on est en mesure de dire que dès cet été, il y aura des jeunes qui vont pouvoir pratiquer la voile au bord de mer. Voilà, on a envie de multiplier ces, ces initiatives éducatives. Et j'ai parlé tout à l'heure de la cité éducative, mais c'est aussi 950 000 euros pour que, par exemple, sur le temps du repas à l'école... C'est pas qu'un temps pour euh, se nourrir, euh, c'est un temps éducatif. Et bien, et pendant le repas, mais surtout après, il puisse y avoir des activités sur le temps scolaire. C'est tout cela, avec les élus que j'ai cités, que, que nous mettons euh, en place. L'INSEE, du coup, qu'est-ce qu que ça vous évoque, euh, ce, que, ce que vient de vous, vous dire M. le maire Est-ce que vous auriez, vous aussi, peut-être des suggestions à faire Alors. Euh... Moi, ce que, parce que dans ce que vous avez évoqué, il me manque juste euh, une petite chose, c'est les parcs. C'est une bonne question. Oui. Vous voyez, par exemple, si on n'écoute pas les habitants euh, et qu'on n'a plus d'enfants en bas âge, euh, voilà, ce qui, est, ce qui est le cas de pas mal d'élus encore euh, aujourd'hui, eh bien, euh, on peut passer à côté de ça cest à qu'on voit les tarterets, on voit mon conseil. Alors, euh, tout nous pousse un petit peu, je disais, l'État, hein, sur les, les bâtiments, etc. Puis, quand on écoute les habitants, c'est pour ça que c'est indispensable, pas simplement de les écouter, mais de faire la ville avec eux. Eh bien, il euh, y a une énorme demande partout dans la ville de parcs pour les enfants. Et c'est vrai, quand on a l'occasion de se balader avec des enfants dans la ville, dès qu'ils voient des parcs, eh bien, ils foncent et ils ont envie de s'amuser, de se divertir. Dès cette année, euh, dans nos investissements, nous avons décidé euh, d'acquérir euh, de nouveaux jeux pour enfants euh, pour euh, euh, en mettre le maximum dans la ville. Et d'ailleurs, il y en a qui sont d'ailleurs parfois euh, mal entretenus, il faut les rénover aussi. Donc, euh, Tarteret, Mon Conseil, Armitage, partout, on veut multiplier ces jeux pour enfants. J'avais prévu aussi de le dire euh, tout à l'heure, mais euh, avec Rénal euh, Jourdain, euh, nous allons euh, acquérir euh, c'est pour jouer au basket, un, un espace 3-3 qui permet de jouer à 3 contre 3 dans les quartiers. C'est une acquisition parce que, et on pourra le faire bouger euh, dans les quartiers. Et puis euh, des équipements euh, aussi pour, pour faire du sport euh, dans, dans les quartiers avec notamment du Street workout Out <laughs> agréé qui permet d'installer de, des, des agrès dans quoi, les quartiers, ça, de faire du sport. Ah oui d'accord, voilà, on a envie de mettre de l'espace public et on est passionné par le mobilier urbain. Il faut des, des bancs pour s'asseoir, il faut des chaises, se rencontrer, ouais. boire des coups dehors. Voilà, alors c'est vrai pour que ça, le Covid. A été très contrariant, mais sûr. 2022, c'est l'année des parcs pour les enfants, <laughs> des jeux pour les enfants, en tout cas. Merci beaucoup, l'INSEE, euh, d'avoir accepté de, voilà, de, de participer à tout ça. Merci. On va continuer euh, dans cette euh, cérémonie des vœux un petit peu spécial, hein, avec cette euh, discussion citoyenne avec des citoyens. Et en parlant de citoyenne, on reçoit euh, Nicole. Nicole, qui est retraitée et habitante du centre-ville, et elle, elle s'inquiète de la dégradation de celui-ci et s'interroge sur les futurs aménagements. Nicole, vous avez le sourire, oui, euh, ravi de vous accueillir. Alors justement, qu'est-ce que vous souhaitez évoquer avec Monsieur le Maire ben, je souhaite évoquer effectivement l'état du centre-ville, qu'il connaît bien, puisqu'il habite au centre-ville. Donc euh, voilà. Euh, et puis euh, le futur aménagement du centre-ville, c'est-à-dire qu'il y a deux parties de ce que je voudrais parler. Euh, donc voilà. Donc l'état du centre-ville, et eh bien euh, le, le centre-ville a toujours été populaire hein, à Corbeil, mais là il est dégradé, il s'est paupérisé, euh, il y a vraiment des tas de soucis. Hein. Déjà sur l'entretien le, ent, du centre, enfin, du, du sol du centre-ville, il y a des trous, ils ont été rebouchés là il y a 24 heures, hein, mm -hmm. parce qu'il y avait des trous énormes pour aller au marché, il y a des personnes qui sont tombées, mm -hmm. donc euh, c'est quand même euh, compliqué. Hein. Ensuite, euh, les poubelles dans la ville, euh, par exemple, il n'y a pas assez de poubelles de la ville. Le vendredi soir, les poubelles de la ville débordent. Voilà, donc c'est pas très agréable de se balader au centre-ville avec des poubelles qui sont à côté des poubelles, quoi. Mmh. Mais parce que les poubelles sont pleines, hein, voilà. Il euh, y a aussi le problème des, des privés hein, qui laissent leurs containers sur les trottoirs hein, au centre-ville. Vous voulez parler des, des résidences des, privées Des, des résidences habitants, privées, des, des habitants, habitants mmh. euh, même devant les bâtiments publics. Mmh. Il faudrait que les poubelles soient rentrées mmh. et qu'on les sorte au moment du de, de ramassage des poubelles. Et puis alors le commerce. Alors le commerce, c'est vraiment une histoire pas possible. Quoi. Comme disait M. le maire, il y a 51 euh, épiceries euh, exotiques dans Corbeil. On est une ville quand même qui est en principe de 56 000 habitants. Il euh, y a un boucher-charcutier, il n'y a pas une librairie. Donc les gens réclament quand même, réclament des commerces où ils peuvent aller. Heureusement qu'on a le marché, sinon le reste du temps dans la ville, on ne peut pas aller faire nos courses. Là, Alors, sûr. On va déjà s'arrêter sur cette étape-là, voilà. puis on reviendra sur la deuxième partie qui euh, concerne euh, plus je, la ville. Je continue sur les commerces deux ouais, minutes, bien. parce que c'est les commerces qui sont ouais. ouverts jusqu'à 23, 24h, 1h du matin, qui ouais. vendent de l'alcool, donc ça ne permet pas la tranquillité des habitants du centre-ville. Très voilà. bien. Monsieur je vais le maire. Hein. De, de tenir dans, dans les délais, parce oui, que oui, oui. le centre-ville, c'est le grand chantier euh, du mandat, il y en a oui. d'autres, hein, euh, mais vraiment, on a à la fois une volonté politique. Euh, euh, voilà, je suis le premier maire depuis 25 ans à habiter la ville, donc effectivement, et notamment dans le centre-ville. Donc je le vis euh, tous les jours. Et là encore, euh, loin de moi l'idée de dire que euh, tout va bien, non. Euh, je suis même capable de dire que sur ce, certains sujets, en 18 mois il y a eu encore des dégradations parce que c'est des dynamiques de villes qui se paupérisent, euh, de villes qui se dégradent et les épiceries, euh, voilà, tous les mois, il y a des épiceries nouvelles qui se créent. On n'a pas besoin d'autant d'épiceries à Corbeil-Essonne. Donc, ce n'est pas des petites mesures qui vont nous permettre de, de modifier les choses. Il faut des petites mesures du quotidien. Euh, et d'ailleurs, ça me permet de citer euh, tous les élus qui travaillent sur la propreté, mais on en reparlera euh, tout à l'heure. Sur Centre-Ville... Avec Martine Soavi en charge de l'urbanisme et Hélène Pavamani, particulièrement sur le centre-ville, mais aussi d'autres élus. Je travaille en, en pôle un peu euh, sur, sur la mairie. Euh, Jacques Picard sur les transports, Frédéric Pio euh, sur tout ce qui est justement voirie, euh, euh, vélo, euh, développement durable de la ville, Sylvie Dayani, une délégation que sur la nature en ville et Maxime Podolac sur la Seine. Voilà. Il y a. Euh, une bande d'élus déterminée à redresser le centre-ville. Comment on va s'y prendre D'abord, il y a des projets euh, qui ne euh, dépendent pas de nous. Et je crois que ce sont des opportunités. C'est-à-dire que je n'ai jamais pensé qu'avec euh, euh, des mesurettes, on aurait d'un seul coup des nouveaux commerçants qui viendraient euh, s'installer rue Saint-Spire pour revendre des, des, des fringues. Je n'y crois pas. Et donc, on a deux grandes opportunités. Ça va commencer cette année. C'est d'avoir... Euh, euh, les grands moulins de Corbeil qui viennent de changer de main. Euh, c'est fait, c'est officiel. On va euh, vous présenter ça dans l'année parce que faut que vous nous aidiez à accompagner pour discuter avec le nouveau propriétaire qui est un groupe, un promoteur, hein, qui s'appelle Cogedim, mmh. Et euh, on va avoir dans le mandat, ce sera peut-être presque fini euh, dans 4-5 ans, toute une transformation des grands moulins, redécouverte de la rivière Essonne, nouveaux appartements de, je le dis, qui est de très qualifiant. On va avoir euh, une salle des fêtes, je l'annonce. C'était une arlésienne, mais pour qu'on ait euh, de nouveau de un centre-ville qui tire vers le haut, il faut un mélange de nouveaux commerces, je vais en, euh, on va en avoir dans les grands moulins, d'espaces de, de, culturels, euh, de nouveaux logements qui, qui tirent aussi euh, vers le haut. Il faut que Corbeil-Essonne accueille des gens populaires, genre, voilà, je viens de ouais. milieux populaires, mais aussi des gens de, qui ont plus de moyens, moyenne, et, et, et etc. C'est ça une ville équilibrée <laughs> euh, et, et, et mixée. Justement. Et les grands moulins vont nous le permettre, et aussi euh, le, le dossier oh. d'Elio Corbeil qui va on va, on, en, parler, on va ouais. on peut en reparler. Je voulais, je voulais compléter, mais qui quand sont ouais. des opportunités. Et j'annonce quand même mmh. que cette année, 2022... La place du marché, effectivement, pleine de trous, euh, et moi-même, je, je peux tomber en, en allant travailler euh, à, ici au centre administratif, la place du Comte dans d'ici dans, un an, quoi, va complètement être refaite, la halle oui. du Comte va être complètement euh, refaite, et donc on a tout un centre-ville qui méritera une réunion particulière pour présenter l'ensemble, parce que mmh. c'est assez immense ce qui va être fait. Les allées Aristide-Briand dans le mandat vont être faites. Donc il y a toute une nouvelle structure du centre-ville qui va permettre à la fois d'accueillir de nouveaux habitants, de nouveaux commerces, par exemple dans les grands moulins, il faut ramener oui. de l'emploi, 200 oui. emplois dans les grands moulins. Avec une nouvelle oui. fabrique de bière et des espaces bah, de covent. Nicole, je, je, justement, allez-y, ah, allez-y, allez précisez. Sur le centre-ville ouais. où il y a aussi de nombreux logements insalubres. Mmh. Donc, euh, il y a beaucoup de propriétaires marchands de sommeil, hein, mmh. euh, Avenue du Général Leclerc, derrière la rue Saint-Spire, rue de la Boucherie tout ça. Quoi faire de ces logements-là, où les gens sont logés dans des conditions épouvantables. Et puis, euh, donc, on a été sélectionné corbeil essonne pour avoir des subventions pour le cœur de ville, hein, pour, le cœur, enfin, voilà, pour le centre Avec ancien. Le ville, oui. Donc euh, les gens le savent, ça fait déjà un ou deux ans, ou je sais pas, où on reçoit des subventions. Parler, voilà. Oui. Donc euh, ben, oui, là, ben. personne ne voit à bouger quoi. Il n'y a pas. donner des petites des petites choses qui ça, changent. Ça concerne l'aménagement pour... du coup du centre-ville, oui, ça. Oui. oui. oui D'ailleurs, euh, tout ça est très récent puisque j'étais en réunion la semaine dernière en préfecture avec le maire de orangis le maire devry couronne euh, On a fait un boulot considérable en 18 mois et on nous a annoncé de l'État. Il y a aussi l'agglomération Grand Paris mmh. Sud qui nous apporte de l'argent. Je dis les sommes. Hein. Mmh. C'est la première fois depuis que je suis le maire que euh, j'apprends que l'État va verser 1,5 million d'euros mmh. trébuchant, mmh. pour la place du Comte-Aimont, mmh. euh, tout le centre-ville. Donc des moyens considérables. Et vous verrez les travaux euh, commencer. Hein, Ce n'est pas des paroles en l'air. Et 11 millions d'euros de l'agglomération pour refaire le centre-ville. Mais. Nicole, je suis d'accord euh, avec toi, on se connaît, on, on, on vit dans le centre-ville ensemble. Eh bien, il euh, euh, y a le quotidien aussi. Pas plus tard que ce matin le directeur de cabinet de, de la municipalité, était en réunion avec le directeur de cabinet du préfet. Et euh, c'est vrai que euh, dans les problèmes que nous rencontrons, il y a les incivilités, j'en reparlerai tout à l'heure sur la, la propreté, propreté des containers, oui, etc. Sûr. Mais il y a aussi ces commerces qui ferment à point d'heure, ces gens ah. qui s'alcoolisent, et qui empoisonne la vie euh, de, des, des riverains, c'est insupportable. Alors nous menons, avec Hervé Jacques, en charge de la sécurité, euh, des, des, des opérations coup de poing dans la durée avec la police nationale et la police municipale, je le dis. Nous avons marqué des points ces dernières semaines. Place d'Essonne, les gens vivent un enfer. Pareil, je ne cache si pas, je me cache pas derrière non. mon petit doigt. Hein. Non, non. Des habitants venus ici parce qu'ils trouvaient le cadre sympa, déménagent parce que la vie est insupportable. Nous n'acceptons pas ça. Nous sommes en train d'obtenir Nicole de la préfecture, je reprends un pouvoir de police que le préfet avait enlevé au maire, je vais pouvoir sur à partir de procès-verbaux refaire, fermer des commerces et à 22h à Corbeil-Essonne. On n'a pas besoin d'acheter d'alcool à 23h ou d'aller chez le coiffeur. Mais euh, oui, vous avez raison. Il faut qu'à un moment donné, euh, ce n'est pas le couvre-feu 22h, hein. ah, ça va. Oui. Hein. Mais à 22h, on doit oui, pouvoir oui. vivre sereinement. Je vais prendre des arrêtés pour faire fermer euh, les commerces Encore. à 22h dans cette ville. Donc voilà, des mesures concrètes. Ouais. Est-ce que la ville peut prendre des, des préemptions sur des commerces, Alors voilà, que, voilà, pour changer de commerce coûte, ça. ça coûte de l'argent et oui, c'est oui. l'argent. On, on aura l'occasion d'en reparler de 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 cette année. Mmh. C'est mmh. pas ce qu'on a le plus euh, à ouais, corbeil essonne oui. mais trois premières adresses dans le centre-ville, notamment rue saint spire viennent d'être ciblées pour que la ville, en lien avec des outils fonciers, c'est compliqué, notamment la foncière, nous allons acquérir trois adresses dans le centre ville euh, pour re, euh, décider de quel commerce en, en mmh. bas de porte nous allons pouvoir mettre. Ah, c'est voilà. la première répondre. fois depuis, de, depuis très longtemps. Ouais. On, on est en train de, de mener cette, cette préemption. D'accord. Alors, on va peut-être parler de, ouais. de l'aménagement. C'est ça, enfin, parce voilà, que du coup, je euh, me dis. On a quelques points. Voilà, juste il nous ça reste 2-3 minutes. Donc, on de, deux, trois euh, minutes. Voilà. Donc ça, il va falloir aller Alors, vite, mais je crois est, que c'est la question euh, de l'aménagement ouais, qui. J'ai noté quelle est la suite des ateliers, des visites du site Elio. On n'a pas du tout de, de retour. Alors, euh, nos questions, c'est quel plan d'ensemble pour le site Elio, les grands moulins euh, quel est le nombre de logements envisagés sur le site Elio Parce que, euh, monsieur le maire, ça éviterait les rumeurs qui se disent qu'il va, va y avoir sur le centre Elio des centaines de logements. Mmh. Et les gens, ils en ont marre d'avoir des promoteurs qui font main basse sur la ville. Donc, euh, voilà. Alors, ça, on l'avait déjà dit bien il y a des années et des années. Hein. Quand on voit ce qui s'est construit à la place du tribunal, c'est une horreur, quoi. Il y a du béton. A, on se demande s'il va y avoir un petit bout de jardin quoi, pour que les gens soient contents. Alors, les gens refusent la, bé les, la bétonisation, mais il faudrait pouvoir leur dire enfin, ce qui va se faire. Le site sera-t-il démoli dans sa totalité, le site Elio, ou est-ce qu'on ne peut pas reprendre des, des bâtiments On ne sait pas. Euh, est-ce que la révision du plu peut être envisagée Et puis alors, le, les parkings qui sont envisagés, le plan de circulation, euh, et comment envisager euh, les, le, les nouveaux quartiers Hein, Elio et, euh, et les Grands Moulins, avec le centre ancien, parce qu'il ne faudra pas les laisser le centre ancien. Hein, Est-ce qu'il y aura des nouvelles euh, rues Alors, nous demande effectivement, des nouveaux commerces, des services publics, des écoles, des, écoles, des crèches. Ça, le promoteur, il faut qu'il qu s'assoie sur une surface de, du, du terrain pour construire ça. Hein, des écoles, parce qu'on voit les écoles du centre-ville, elles sont... Vraiment, elle date de, du début du siècle, quoi. Enfin, du siècle dernier, donc euh, dégradé. Et des emplois, fait... des ouais. emplois, voilà, des emplois et des jardins. Et des jardins où on puisse se balader. Merci, euh, Nicole. Alors, on va laisser Monsieur le maire. Ouais, euh... Notamment sur Hélio euh, Corbet, je l'annonce, c'est mi-février, donc dans trois semaines. Mmh. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est le 16, mais je, je vérifierai. Euh, nous avons, euh, pro nous proposons donc de refaire une réunion publique sur le centre-ville, sur Helio. Hum. Hein, et nous avons obtenu euh, du propriétaire qu'on comprenne. Hein, moi je dis ça, euh, évidemment, euh, quand on est propriétaire d'un terrain ou d'un pavillon, on ne supporte pas que le maire vienne expliquer ce qu'il faut faire dans le pavillon et, et dans non, le terrain. Mais... On est d'accord. Euh, sauf qu'évidemment, là on a affaire à un propriétaire, lui il n'est pas propriétaire d'un pavillon, il vient d'acheter Novaxia 4 hectares dans le centre-ville. Et donc le maire a des pouvoirs. Euh, de euh, euh, décider de ce qu'on laisse faire ou pas. Mmh. mais il n'a pas tout le pouvoir. Et, et là euh, le débat, nous avons créé les conditions que le débat ait lieu avec les habitants puisqu'il y a déjà eu donc euh, des balades, des réunions publiques et on en fait une vrai, le 16. Et le 16, la Réunion euh, et d'ailleurs nous avons tenu que la concertation soit portée aussi par le propriétaire. Parce que ça coûte un petit peu d'argent quand même d'organiser de, des concertations. Ça ne fait pas de soucis pour les promoteurs. Tout qui à fait. Dans les villes quand même. Eh hein. bien, euh, d'accord. Jusque là, euh, jusqu'à 18 mois, les promoteurs on ne leur demandait rien. D'ailleurs, vous avez parlé. Tu parles de, euh, de, du tribunal, du, du oui, programme oui, 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 immobilier. Nous avons euh, euh, réussi à se convaincre avec le propriétaire, qui, qui le, le promoteur, qu'il verse 500 000 euros pour des futurs parkings euh, sur lesquels il s'était assis. Eh bien, euh, je m'inquiète moi non plus pas pour les promoteurs, mais il faut créer les conditions de leur demander de l'argent. Ils payent la concertation d'Ovaxia, c'est la moindre des choses, et on va exiger qu'ils ne payent pas que ça, et notamment… Nous nous battons pour que euh, sur le site des lieux corbeiller nouvelle école. J'ai bon espoir, mais pour l'instant, euh, on est en train de discuter. Hein. Mm -hmm. Et plus les habitants s'en mêlent, mm -hmm. plus ils ont de chances mm -hmm. que leur désir soit entendu mm -hmm. avec un propriétaire euh, où on souhaite qu'il se passe quelque chose, parce que ce propriétaire peut très bien revendre, mm -hmm. d'accord, mm -hmm. et on va rester six ans, dix ans avec une coque vide dans le centre-ville de Corbeillessonne. Et on reprochera aussi au maire d'avoir laissé une coque vide dans mm -hmm. le centre-ville. Ma responsabilité, c'est d'animer le débat. Et d'ailleurs, entre les habitants, il y a des débats. Il y en a qui disent plus de logements, mais il y en a aussi 4200 qui attendent d'avoir un logement oui. à Corbeil et -Sol. Et donc, il y en a qui oui. disent du logement. Il y en a qui disent du logement social, il y en a assez à Corbeil. Il y en a qui disent, euh, y compris, j'ai vu des gens de classe moyenne dans le centre-ville qui disent, ah non, non, on ne va pas nous faire un quartier de bobos où il y aurait en gros les plus démunis dans les quartiers et les bobos dans ah, centre le centre-ville. Le débat comme ça, est exact. Et ben, Ma responsabilité, ma responsabilité, en fait, hein. responsabilité c'est d'organiser le débat. Moi, je me bats pour des parkings sur Héliot-Corbeil, parce que si on enlève de la place de parking sur, euh, sur la place euh, du, du Comté Mont au Grand a, Moulin, hein. exactement, eh bien, je me bats pour que nous ayons un parking, et j'ai bon espoir qu'il y aura un parking important sur Héliot-Corbeil. On veut aussi en faire un autre. Euh, vers la salle de sport bord de scène, un parking en étage pour permettre à ceux qui prennent le train 15 000 voyageurs jour à la gare de Corbeil-Essonne qui puissent se garer là, que ça libère de la place dans le centre-ville. Voilà ce que nous voulons obtenir. Le nombre de logements, j'en sais rien, ce sera l'objet d'un débat. C'est clair, hein il plus, il de de en fait, plus il y aura de logements, plus il fera de, de l'argent. Il faut que nous, on fabrique de la ville et pas simplement Alors, de l'argent pour le promoteur. C'est vrai qu'on n'est pas urbaniste ni architecte, mais on vit dans cette ville quoi, depuis longtemps. Merci Nicole. Il va falloir qu'on qu ah, enchaîne. Juste une petite phrase. Eh, alors, que une, petite, noté, ah, une, une petite phrase. C'est une utopie petite. qui aidera eh. à la transformation de la ville. Hein. Il faudra du temps et la volonté de créer une ville où il fait bon vivre eh en bah. vélo, à pied. Eh bah, je bah, me merci. souviens que le lendemain des élections, je parcourais la ville en vélo et je disais Ah, ça sent bon, ça sent euh. bon. Alors je voudrais que ça continue. Quoi. Bah, merci Nicole enfin, pour votre témoignage et d'avoir accepté de, de venir. Merci, merci en tout cas. Merci, Merci, il vous en prie. On va continuer notre tour d'horizon et là on va partir sur la thématique des services publics. On va recevoir un invité qui s'appelle Frédéric, il est employé communal au service propreté. Il va venir nous rejoindre dans quelques instants. Alors Bonjour Frédéric, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Euh, vous souhaitez parler de la question des moyens humains et matériels, notamment hein, euh, au niveau des services municipaux. Et je pense que vous avez encore d'autres choses à exprimer. On vous laisse euh, la parole et inter interpeller ou interroger Monsieur le Maire sur ces questions. Voilà Monsieur le Maire, moi je voulais vous poser la question au niveau du matériel de la, du service propreté qui est vieillissant, non adapté. Au niveau des moyens humains, nous avons de plus, plus en plus de personnes qui partent à la retraite mmh. et qui ne se sont pas remplacées. Donc j'aimerais savoir euh, où va le service propreté Alors, euh, merci aussi. Vous avez double casquette, à la fois très attaché à Corbeil-Essonne et en même temps, oui. euh, tra travaillé euh, à, à la ville. Donc, euh, avec Frédéric Bourges, maire adjoint en charge du, du personnel on a décidé de faire de 2022 aussi l'année du personnel. D'abord, on, on a des obligations. C'est que l'État exige de nous une modification du temps de travail, des mesures qui auraient dû être faites depuis des années qui n'ont pas été faites. Et puis, euh, la refonte de tout le système indemnitaire, d'accord, euh, du régime indemnitaire, ce qu'on appelle le RIF 7. Et on a obtenu du préfet, là encore, que ce qui de, aurait dû être décidé avant le mois de décembre, et donc, sans concertation, on le décide avant l'été, parce qu'il était hors de question pour Frédéric Bourges, Sylvain Renard aussi, qui suit les finances et l'administration, de modifier le temps de travail, le régime indemnitaire, sans qu'on vous écoute. Et donc, en mars, au printemps, nous allons organiser des assises du personnel communal, parce que, pareil, on va vous donner la parole. Ça fait belle durée qu'à Corbeil-Essonne, on ne vous a pas dit euh, qu'est-ce que vous pensez de votre travail, de comment tout ça fonctionne. On s'est rencontrés. Euh, il y a quelques jours lors d'un petit déjeuner avec l'ensemble des cantonniers de la ville du service propreté. Et effectivement, euh, euh, moi j'ai un beau bureau, je suis ici, et euh, si on ne va pas vous voir, si on ne vous écoute pas, euh, on ne réalise pas. Que vous travaillez, parfois même c'est les cantonniers qui achètent le, leurs chaussures, euh, alors qu'il y a un marché pour cela. Que vous roulez dans des voitures qui datent de 20 ans, oui. que euh, vous vous cassez le dos parce que les camions que vous avez ne sont pas adaptés pour euh, mettre les, les déchets. Et donc euh, sur toutes ces questions, je, je les cite parce qu'ils sont euh, euh, vent debout pour vous aider euh, euh, à travailler dans de meilleures conditions, pour que la ville soit plus propre. Je pense notamment à Daniel Leguen, notre élu. Euh, Remarquable à la propreté, qui est sur tous les coups, Claire Jubin, qui se bat aussi pour la, la réduction des déchets, et puis Francis Arnoux-Laurent, qui est notre élu en charge du centre technique municipal. Donc, il s'agit à la fois d'agir sur vos outils et euh, le centre technique municipal. Donc, je confirme, je confirme, je confirme, ce n'est pas une promesse, c'est un acte, qu'en 2022, nous allons, dès cette année, dans le budget, euh, acquérir du nouveau matériel et vous permettre de travailler dans des conditions dignes. C'est la moindre des choses. Vous faites sûrement l'un des métiers les plus difficiles, euh, on vous voit peu et euh, c'est vous qui travaillez à la propreté de la ville. Et malgré votre travail, parce que vous n'êtes pas assez nombreux, parce okay. que vous avez du matériel vétuste, eh ben, c'est compliqué que la ville soit propre. Or, on veut en faire un marqueur. Donc, on va se donner cette année, dans le budget, vous verrez, des moyens pour être un peu mieux outillés. Véhicules, après voilà, on fera des choix parce qu'on ne peut pas d'un seul coup euh, acheter des, des dizaines de camions et des voitures. Et nous allons cette année acquérir un nouveau terrain, donc près de l'ancienne usine, usine à gaz, le terrain de l'ancienne usine à gaz, toujours donc euh, vers la salle des sports près de la Seine. Nous allons acheter un terrain pour construire un nouveau centre technique municipal. Le démarrage des travaux aura lieu dans ce mandat il faut d'abord acheter le, le terrain. C'est scandaleux les conditions dans lesquelles vous travaillez, c'est le maire qui vous le dit, et donc on va en faire une priorité. Frédéric, justement, vous, quand, quand on a discuté euh, en, oui. en antenne, euh, vous êtes attaché à, vo à, à votre ville et euh, j'ai senti quand même euh, un sentiment un peu un peu démuni. Hein. Je, je, me, je me permets de, de le dire parce que ce qui était intéressant dans, dans, dans votre démarche, c'est que vous, vous avez une vraie envie de bien faire, mais ce, ce contexte des moyens et le fait de ne pas avoir suffisamment de moyens, bah, du coup, euh, vous étiez un petit peu démuni par rapport à ça. Et puis en fait, la, la difficulté que bah, les habitants et un ressenti, en tout cas euh, pour, les, pour les échos que j'ai pu en avoir, d'une voilà, ville pas propre. Et que quelque part, c'est quelque chose aussi qui peut vous peser, à vous, en tant que salarié, euh, qui œuvrait pour la propreté de la ville. Comment vous positionnez par rapport à ça bah C'est et... surtout, il y a une grande civilité à Corbeil. Il n'y a pas assez de sanctions au niveau des dépôts sauvages. On passe oh, le lundi, le mardi, on peut repasser. Moi, j'ai vu passer deux fois dans la même journée. Après. Au niveau du personnel, comme dit M. le maire, nous, nous avons un manque de personnel. On a du personnel vieillissant qui part à la retraite. On a les, maté les matériaux, les matériels qui ne sont, qui sont plus adaptés. Ou on a des véhicules qui ont 20 ans, voire plus. Alors, si on n'a pas les moyens, on n'y arrivera pas. La question, elle est surtout là. A priori, M. le maire s'est engagé oui, sur l'élection de nouveaux Oui, tout à fait. M. Oui, voilà oui, le maire si le, le dit. Il mais... y a quelque chose d'émouvant à vous écouter. Euh, on a dû annuler les voeux du personnel qui auraient dû avoir lieu ce soir. On voulait renouer avec des grandes fêtes. Et donc, on, on a transformé par un petit présent euh, et un, un mot qu'annoncent les assises du personnel à tout, à tout le personnel. Et c'était compliqué d'aller voir tout le monde en, dans le temps qui nous était imparti. Par contre, j'ai reçu ici les éboires de la ville. Euh, D'une société privée, donc. J'ai reçu vous, euh, les, ceux qui, euh, la, les, les agents chargés de la propreté, et j'ai reçu aussi des agents qui font le même travail, mais avec les sociétés privées. Voilà. C'était euh, vraiment, euh, pour moi, euh, symbolique aussi. De vous, de vous écouter et de réaliser à quel point votre métier euh, était difficile. Et donc, la question de la propreté, c'est à la fois les moyens du service public, mais c'est vrai, il y a même euh, un, un, un ouvrier qui m'a dit euh, Ici, on est la ville championne du monde des incivilités. Ben, je l'entends. Alors, je pense qu'il n'y a pas qu'à Corbeil qu qu'il y a des incivilités. Je pense que même à Paris, c'est un peu compliqué euh, la propreté. Enfin, on a un peu moins de touristes, nous, quand même, ici encore. <laughs> et donc, euh, il faut que ce soit une affaire citoyenne, la propreté. Voilà, moi, euh, donc cette année, euh, nouvelle mesure, nous allons créer euh, avec Daniel Leguet, tous les élus que j'ai cités, aussi Hervé Jacques, une brigade chargée euh, d'agir sur, sur la propreté, c'est-à-dire repérer les dépôts sauvages pour agir tout de suite, mais aussi verbaliser. Parce qu'il y a un moment donné, qu'est-ce que vous voulez euh, Il faut prévenir. Et il faut, euh, il faut sanctionner parce que c'est insupportable de jeter tout euh, par terre. Il y a une, une, re, euh, une ressourcerie maintenant à Corbeil-Essonne, euh, sur le terrain de Novaxia d'ailleurs. Euh, il y a euh, euh, une déchetterie euh, rue Émile Zola. Donc il y a de quoi aller jeter son matelas et son frigo et pas le mettre de, sur, sur la route. Et donc on va aussi organiser le samedi 19 mars, moi je crois à cela, une grande journée matinée, un samedi matin. La veille du printemps, ça propreté. Fait, ça a bien marché. On veut mettre, et on l'a fait une extremis avec 500 personnes parce qu'on se demandait si on pouvait le faire avec le Covid. On veut mettre, euh, allez, euh, 600, 700, 800 corbeillers saunois. Il y aura tous les agents des entreprises privées, ils s'y sont engagés, je les remercie, euh, de notre service public, les machines. On va organiser plein de rendez-vous dans la ville pour dire écoutez, cette ville, elle nous appartient. C'est notre responsabilité à tous aussi qu'elle qu soit propre. Donc voilà des mesures que nous allons, nous allons travailler. C'est euh, Effectivement, on est une ville populaire à Corbeil-Essonne. Ce pas là où on trouve les populations les plus aisées. C'est déjà une peine. Si en plus la ville est sale, c'est la double peine. Et donc moi, je veux une ville fleurie. Et donc, avec nos services, nous allons travailler à, à l'embellissement. Il y a déjà eu un effort ce printemps. Vous verrez, ce sera encore mieux le printemps prochain. Et en faire une grande affaire, une grande affaire citoyenne. Je me permets de dire un petit mot parce que tout à l'heure on a parlé du centre-ville. Il faut un centre-ville propre, il faut des quartiers propres aussi. Et donc nous travaillons avec Claudia Bonzi à la création d'amicales des locataires dans les quartiers. Parce que c'est vrai que les bailleurs ont une responsabilité. Euh, là où des fois, il faudrait trois poubelles dans les logements sociaux euh, dehors ou le, les copropriétés, on n'en met qu'une, eh bien, euh, les gens mettent leurs déchets à côté. Donc, euh, il faut que des locataires se mobilisent et s'organisent pour faire respecter euh, la propreté dans leur quartier, notamment auprès des bailleurs. Et puis, il euh, euh, y a besoin aussi de, de retrouver de l'embellissement dans les quartiers. Et je l'annonce là. 2022, à mon conseil, c'est l'année où nous allons avancer pour supprimer ce centre commercial au cœur de mon conseil, qui est une copropriété, y compris ces salles, bien sûr que ces salles, parce que ça revient aussi à la copropriété de nettoyer, mais ce, cet immense parking n'est pas nettoyé. Nous allons raser en concertation avec les propriétaires, le débat est, est en cours racheter ces commerces, raser le centre commercial, retrouver une centralité à mon conseil. Nous travaillons à cela avec tous les élus du, du, du quartier de mon conseil, Sylvain Renard, Daniel Leguet, Clémence Bigarnet, je ne veux pas en oublier, Pascal Prigent, oui, Pierre-Yves Gautreau. Nous travaillons à refaire le centre commercial de mon conseil. C'est important parce qu'il faut que tous les quartiers retrouvent une dignité. Je peux annoncer d'ailleurs aussi que le quartier de l'Ermitage va subir une rénovation importante avec le bailleur Les 3 F. Voilà des, des choses importantes. Un dernier mot, parce que c'est une annonce aussi. Si on veut respecter sa ville, il faut que la ville soit respectable et, euh, et qu'elle respecte les habitants. Et donc euh, ces quartiers qui sont devenus trop denses, comme mon conseil, ça incite pas à la civilité. Vous voyez, j'ai pas d'excuser les gens qui se comportent mal. Nous allons les sanctionner. Avec la brigade verte que nous allons créer. Mais il faut aussi que les quartiers soient plus présentables, plus désirables. Je suis en mesure d'annoncer que ce quartier de mon conseil qui a été bétonné, 10 000 habitants aujourd'hui à mon conseil, il n'y a plus, plus d'espace vert. Eh bien, je suis en train d'obtenir avec les élus que j'ai cités, des 3F, 10 3F, le bailleur, que trois immeubles qui devaient être construits encore, Bouvard-Aliende et à côté de l'école Langevin, ne soient pas construits qu'à la place. On élargit ce parc qui n'était pas vraiment un parc et qu'on recrée des espaces verts, des jardins partagés euh, avec Claire Jubin, Sylvie Dayani. On travaille à tout cela euh, dans, dans la ville. Voilà. Frédéric, on reprendra rendez-vous pour la suite, pour voir si les choses ont, ont évolué pour vous et vos conditions de travail et améliorer euh, bah, la propreté dans, dans cette ville. Merci d'avoir bah, accepté beaucoup. notre invitation merci. et votre témoignage. Merci, merci beaucoup. On continue euh, ce tour d'horizon. On va arriver euh, bientôt, euh, bientôt à la fin, qui nous reste. Euh, voilà, on est sur la lavant dernière partie. Euh, on va recevoir Monsieur Pierre, qui est un habitant, euh, retraité actif, comme il aime se, se présenter, euh, et il va le parler autour de la thématique de la sécurité. Et je pense qu'il a pas mal de choses à nous dire, et notamment à Monsieur le Maire. Bonjour, Pierre. Bonjour. Bonsoir, bonsoir ah. Monsieur le maire, bonjour Bruno. Enchanté. Euh, on avait déjà un Bruno, là il y a deux <laughs> Bruno, c'est <laughs> presque trop d'ailleurs. Euh, alors, je vais vous poser euh, deux, trois questions euh, sous forme de vœux en définitive, je vais enlever mon masque, ça sera plus audible, et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Euh, deux, trois questions sous forme de vœux. Je n'ai pas de cadeaux, mais on va considérer que mes questions sont presque des cadeaux pour vous. Euh, la sécurité, ça commence par, par l'hygiène et par la propreté, vous venez de l'évoquer. C'est la première marche. Elle est tout à fait nécessaire, c'est un prérequis. La sécurité, c'est un vaste domaine. Je vais simplement cibler sur deux, deux items. Le premier, c'est la sécurité routière. Sécurité routière, celle des piétons, celle des cyclistes, et maintenant des patinettes, des rollers, etc. Je crois que vous circulez beaucoup à pied en, en, en ville, monsieur le maire. C'est un point positif pour, pour vous et pour nous, d'ailleurs. Vous savez l'état de dangerosité que représentent un certain nombre d'installations de, 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 qui ne sont pas entretenues comme il le faudrait. C'est les passages piétons, c'est les panneaux de signalisation qui manquent ou qui ne sont pas entretenus, etc. Pierre, le... je vais juste vous couper deux secondes. Oui. En fait, une question technique, oui. excusez-nous. Hein, en fait, vos, vos lunettes tapent dans le micro, tout simplement. Voilà. Mes lunettes tapent. Eh ben, je vais les mettre sur les yeux, voilà. tu sais, ça va changer. Ça sera, voilà Comme ça, voilà. on vous entendra bien, Très bien. Euh, clairement. Très Merci. bien. Ça, c'est le premier point. Euh, donc ce... Et le deuxième point, ça sera euh, bien évidemment celui des incivilités, euh, qui sont assez nombreuses, comme vous le savez, euh, à Corbeil. Alors, je vais vous poser une première question, M. le maire, qui est la suivante. Vous avez fait effectuer un, un sondage, une enquête très importante au mois de mars 2000, euh, 2021 avec euh, je crois votre euh, élu euh, en charge de la sécurité monsieur Hervé Jacques. Vous avez reçu un certain nombre de réponses apparemment mais euh, presque un an après, on voit toujours pas de bilan. On voit toujours pas de résultats par rapport à cette enquête. Et nous, ce qu'on attend, et, et, et croyez-moi, j'en parle avec beaucoup, notamment avec les seniors. Il y a quand même entre 3 et 4 000 tiens, ça aurait pu être un thème intéressant aussi ce soir, les seniors de Corbeil-Essonne. Eh bien, on en parle, c'est un sujet qui, qui nous préoccupe. Euh, Qu'en est-il de cette enquête? Quand allez-vous nous en faire le bilan Quand allez-vous nous présenter un plan d'action, un véritable plan d'action, c'est-à-dire avec certes des moyens supplémentaires, peut-être de la vidéosurveillance, peut-être des effectifs supplémentaires de la police nationale, peut-être aussi la publication, la communication d'un certain nombre d'indicateurs de performance, on va dire euh, tels que combien, ben justement, tiens, on en a parlé, combien de, de, de PV pour euh, des incivilités liées au dépôt, euh, au dépôt, euh, combien de, de, de PV mis pour les déjections cadines. Pourquoi Voilà, il faudrait un certain nombre d'indicateurs, de repères un petit peu sur ce type de sécurité pour la ville, de suivi, que vous pourriez publier dans Imagine, dans le site, sur le site internet, de façon à ce que les citoyens voient un petit peu l'évolution de tout ça. Donc c'est ma première question. Le bilan, monsieur le maire, quand et, et comment D'accord. Merci Pierre. Non mais merci, euh, on est presque voisins, vous habitez le, le centre-ville euh, comme moi. Et là encore, pas de langue de bois. Euh... On a énormément de travail sur, sur, sur ce dossier de, de, de la sécurité. D'abord, vous faites une proposition, je ne l'avais pas en tête, et eh bien en 2022 on va le faire. C'est-à-dire que quelque chose de très simple. Hein. Mais je crois que dans le magazine, effectivement, on vous doit des chiffres, le maire a les chiffres de la délinquance. Il faut les rendre publics. Donc, je ne le ferai pas ce soir, mais euh, je m'engage à ce que dans les, dans les mois qui viennent, nous ayons euh, un dossier dans le magazine sur la sécurité. C'est-à-dire que qu'on euh, n'a rien à cacher. Euh, d'ailleurs, il y, y a des chiffres qui, euh, qui, euh, qui progressent il y en a qui régressent, parce que la délinquance, elle, elle est complexe. Il hein. y a les vols, il y a les dégradations, il y a les cambriolages. Mais il y a aussi une violence, d'ailleurs, euh, qu'on n'évoque pas souvent. Et euh, avec euh, Monia Aïssa, notre élu euh, en charge de la lutte contre les violences faites aux femmes, sachez qu'à Corbeil-Essonne, quand je rencontre régulièrement, je l'ai eu ce matin d'ailleurs au téléphone, la commissaire de police, eh bien, euh, la première des violences à Corbeil-Essonne, c'est les violences conjugales, notamment les violences des hommes contre les femmes. C'est insupportable. Et donc nous allons faire de ce mandat une de la, la lutte contre les violences faites aux femmes une une grande cause. Euh, Monia Aïssav est en train de créer euh, avec plusieurs acteurs euh, un observatoire de, de, de sur cette question. Elle était en échange avec la ministre Elisabeth Moreno euh, il y a quelques semaines. Voilà. Donc déjà ça c'est aussi c'est euh, un axe important. Je, je voulais le, le donner. Mais c'est vrai qu'avec Hervé Jacques, euh, on a fait des, des premières euh, enquêtes et donc la sécurité, c'est plein de domaines. Donc j'en prends une déjà, c'est euh, pouvoir euh, bien stationner. Quand nous sommes arrivés ici, ça faisait euh, donc 18 mois que nous sommes là, ça faisait 5 ans qu'il n'y avait plus de euh, régularisation de la, euh, du stationnement, plus de stationnement payant. Il y a toujours les bornes. Les gens d'ailleurs, j'espère qu'ils ne peuvent pas mettre d'argent parce que ça ne sert à rien. Euh, ça ne marche plus. Donc nous avons commencé à remettre de la zone bleue. C'est pas facile. Euh, et on a commencé par la rive droite. Je vous annonce qu'en 2022, nous allons étendre la zone bleue euh, pour réguler le stationnement dans le centre-ville. Ça ne suffira pas. Nous aurons aussi du stationnement payant, je le dis, puisque quand nous aurons des parkings dédiés comme les parcs qui nous relaient ou sûrement celui sur Elio Corbeil, eh bien, pour que ça fonctionne, il faudra avoir des zones autour où, où il y aura du stationnement payant. Donc on va remettre du stationnement euh, payant. Pour avoir de la sécurité, il faut de la prévention, on va, on va y travailler, mais il faut aussi de la répression, moi je ne me cache pas non plus derrière mon petit doigt là-dessus. Je lance un appel d'ailleurs, parce que nous avons des postes créés, non pourvus, pour monter en puissance sur notre police municipale. Voilà, on nous avait dit... Euh, si Bruno Piriou, euh, la gauche, les écologistes euh, gagnent, euh, il n'y aura plus de sécurité. Non, y compris euh, notre euh, vision des choses a pu évoluer. Vous voyez, euh, nous allons non seulement conserver notre munici police municipale, mais il faut qu'elle monte euh, en puissance. D'ailleurs, on va réfléchir peut-être dès cette année à avoir de nouveaux locaux euh, avec eux pour qu'ils euh, qu puissent accueillir la population dans de meilleures conditions. On nous a promis à Corbillson un commissariat. Il et, et, et devait être créé à mon conseil. Personne ne pense que c'est une bonne idée de créer un commissariat. D'abord, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas le début d'un dossier. D'ailleurs, là où il devait être à mon conseil, il n'y avait même pas un panneau ici commissariat. Ça voulait dire que le dossier était mal engagé. J'ai obtenu du préfet, cette année, qu'une première somme d'argent soit débloquée par l'État pour réétudier la question. Et nous proposons euh, que le nouveau commissariat soit dans le centre-ville. Nous avons fait plusieurs propositions de localisation à M. le préfet. Là-bas, est en ce moment dans leur camp. Mais on a d'excellentes relations. Il faut qu'ils tiennent leurs promesses, le gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, parce que les gouvernements passent, les promesses restent, mais pas de réalisation. Je veux un nouveau commissariat à corbeil dans le centre-ville. Nous sommes en train d'y travailler. 2022, j'espère qu'on pourra avancer là-dessus. Euh, — Juste qu'il y a un nouveau ouais. commissariat, mais avec, avec tous les des effectifs. effectifs — Avec des effectifs. Quand même de et et de je le dis, d'ailleurs, on n'en a jamais trop. Voilà. Mais pareil, euh, pas de langue de bois. Vous voyez, euh, on a des policiers à Corbeil-Essonne. Sincèrement, on a des policiers. Il faut qu'ils travaillent dans de meilleures conditions. Euh, euh, mais il y a de la police na nationale. Moi... Obtenons un commissariat tout neuf, ce sera un acte important pour réaffirmer qu'il faut de la sécurité dans cette ville. Je l'ai dit, on fait des opérations importantes sur tout ce qui est incivilité, etc. Mais vous parlez du mobilier urbain, ça c'est pas de la faute des autres, ça c'est nous. Et donc effectivement, boucher les trous dans les rues, ça coûte un bras. Je vous le dis, hein, c'est les budgets les plus chers. Donc on, avec Frédéric Pio, nous, nous travaillons à cela. Et puis du mobilier urbain. Effectivement, nous allons investir dès cette année pour avoir du nouveau mobilier euh, urbain euh, et, et notamment nos panneaux de, de signalisation. Il y a du travail aussi, je sais où vous habitez, près de l'Essonne, dans le centre-ville. Euh, il faut qu'on vienne sur le terrain avec euh, le SIARS, avec l'agglomération, pour vérifier tous les quais euh, de, de les berges de l'Essonne dans, dans cette ville. Le chantier est, est, est immense. Mais un dernier mot, parce que la sécurité, euh, il faut que... Tout le monde se sent bien et tout le monde vive bien dans cette ville. Donc il y a la sécurité routière, il y a la sécurité contre la délinquance, vous aurez les chiffres. Et vous avez fait une autre idée, je, je l'ai entendu proposer une autre idée. On pourrait faire une rencontre sur cette question, euh, dans un lieu public, euh, où on, on invite les gens à venir débattre avec la commissaire de police. Euh, euh, vous voyez, nous ne l'avions pas prévu. Vous le suggérez, je pense qu'on doit pouvoir faire ça dans les mois qui viennent. Mais il y a la sécurité sociale, pas celle qui rembourse <laughs> les médicaments. Il y a la sécurité sociale. Et avec Fadila Chourfi, euh, Italia euh, qui s'occupe euh, Riggio, des, des, des seniors, euh, Françoise Lopez euh, des personnes en, euh, en situation de handicap, Sophia sur le logement. Il y a besoin. De renforcer notre CCAS, notre bras social, parce que quand, euh, quand la vie est dure, ça n'aide ça pas euh, à, à être bien. Et, et, et donc, il faut qu'il euh, y ait un effort qui soit fait à Corbeil-Essonne pour que les pauvres soient euh, euh, moins pauvres. Et la sécurité, c'est pouvoir aussi vivre dignement. Et donc, il y a beaucoup à faire. Je le dis là, on a commencé euh, euh, des choses. Par exemple, quand on voit des SDF dans la rue, ça nous agresse. Enfin, la première agression, déjà, c'est pour eux parce que dormir dehors par le temps qu'il fait, c'est insupportable. Eh bien, nous avons, nous sommes la seule ville de l'Essonne, sans aucune aide de l'État ni du département, alors que c'est leur compétence, à avoir ouvert un centre d'hébergement des SDF. Eh bien, ça, c'est aussi de créer des conditions de sécurité. 2022, nous allons créer une épicerie sociale. Il faut que les gens puissent manger à leur faim. Nous allons créer cette épicerie sociale, tout près d'ici, sur le site de l'ancien Leader Price, et monter en puissance sur la prévention, vous voyez, l'habitat insalubre, euh, tout, voilà, les expulsions locatives, ce sont aussi des violences et des agressions. Voilà, un bras social et un bras sécuritaire, c'est ce qu'on veut mettre en œuvre. – je, je remarque simplement une vraie volonté… – Je vais faire vite, je suis désolé, on, on est au niveau tempo… – so, Une on vraie, est, vraie on est un volonté là, ouais. euh, sur la sécurité, monsieur le maire, et ça c'est euh, très intéressant. Il faudra aussi une méthode, il y a des méthodes genre tolérance zéro qui ont prouvé aussi leurs effets, et ça c'est important, de trouver une bonne, une bonne conciliation, un bon équilibre, je dirais, entre la politique et la justice, car c'est ce couple-là qui, qui oui, oui. peut agir de façon oui, oui. Euh, très efficace euh, pour l'avenir. Alors j'aurais aimé rebondir aussi sur je les bien. jeunes, sur ouais, les associations, on en sur les seniors, en thème, mais... et, et, mais et, ça sera on et, et peut sur l'écologie, être... il n'y a pas un mot sur l'écologie. – oui. oui, justement, on en oui. A parlé, oh, Très euh, peu non. quand même, très peu, ça mérite C'est vrai qu'on pourra le développer. – Cette année, la maison de la transition écologique dans centre-ville, avec Jacques Picard, des personnels dedans, et puis… – C'est une très bonne chose, vous allez bétonner aussi l'espace de ce merveilleux parc des donc les écologistes, on les entend pas beaucoup. Non, quand on va, même faire, on va faire, on va faire, on va faire un collège. Oui, c'est du béton. Aussi, non, non, c'est, c'est, d'autres places. Il y a, places, voilà. il y a je, tant d'autres friches. À, à... Je pense que ce format là d'échange oui. est très intéressant et je pense que ça amènera sûrement des suites. Eh ben, Donc, cas, moi, euh, je suis Pierre, à non, pour voilà. participer, je vous remercie pour cette invitation, ah, Monsieur le Maire, mais, euh, et je, je, je suis à votre disposition pour aller plus loin dans la discussion sur certains items. Vous aviez donné, proposé un événement que nous n'avions pas prévu. Euh, je ne sais pas si ce sera des assises, mais il faut faire une rencontre sur les questions de sécurité. On fera venir la procureure de la République. Nous sommes la deuxième ville du département. Nous la rencontrons régulièrement. Nous ferons venir euh, euh, le directeur départemental de la sécurité publique et la commissaire de police. Alors, on est en année électorale. Ils ont des obligations de réserve euh, et je les comprends. Mais ceci dit, voilà, l'élection euh, ne va pas durer toute l'année. Je m'engage à ce qu'il y ait une réunion publique. Euh, on peut même, Pierre, si vous voulez. La préparer ensemble avec un collectif d'habitants et, et prenons date pour faire une rencontre sur ces questions euh, euh, à Corbeil-Essonne. Si vous voilà. voulez réagir sur les réseaux sociaux, vous n'hésitez pas, hein, tout est tout en ligne. Merci, 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 merci Pierre. Merci Bruno. Merci Pierre. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission, mais on ne pouvait pas non plus euh, ne pas parler des associations et du vivre ensemble. Et pour ce faire, nous recevons Kina, Kina qui est présidente de l'Union franco-turque de Corbeil-Essonne. Et elle vient parler. Et notamment d'entraide. Bonjour Kina. Bonsoir. Ben, vous allez bien Ça va, je remercie vous. Alors on va parler d'entraide, de partage et l'importance des associations dans la vie de la cité. Justement, oui. on vous souhaitait un petit peu exprimer, ben, que hors antenne, vous me disiez euh, on est là, euh, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, on peut aider. C'est ça. J'ai entendu euh, depuis tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de revendications, de problèmes. Moi je pense que rien n'est insoluble. Et je suis là pour ça, en fait. Je suis dans l'association depuis une dizaine d'années. Euh, rien que pendant le Covid, par exemple, la première année, nous avons confectionné des masques en tissu que nous avons distribué, mais on en a même remis, je crois, 5 000 à la mairie, euh, des colis, euh, des repas euh, aux agents euh, soignants. Et euh, je pense qu'on n'est pas assez sollicité, nous, les, euh, les associations. En fait, on est là, on a des locaux, on a du personnel bénévole, tous bénévoles. Et je pense qu'on peut faire quelque chose ensemble. J'avais eu euh, l'intention euh, récemment de, de réunir plusieurs personnes pour faire un forum des métiers pour les jeunes, par exemple. Parce qu'on a beaucoup de jeunes en difficulté euh, au lycée, pas parce qu'ils ont des difficultés, mais parce qu'ils ne savent pas quoi faire après le lycée, qu'ils n'ont pas de connaissances sur euh, les métiers. Je voulais inviter des jeunes qui avaient déjà réussi, qui étaient sortis du quartier. Bon, le Covid faisant, là pour l'instant, ça a été annulé, ça a été reporté pour la suite. Mais je pense qu'on peut faire de grandes choses avec la mairie et j'aimerais bien qu'ils se souviennent qu'on est là, qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté derrière et qu'on peut être euh, amenés à travailler ensemble et euh, s'accompagner mutuellement. <laughs> Alors, merci euh, aussi euh, <laughs> d'être là. D'abord, on, on se connaît, ça veut dire qu'on a la aussi euh, l'occasion de, de <laughs> se rencontrer. Et euh, moi, je suis toujours émerveillé de. de l'énergie qu'il y a dans les villes, chez les citoyens, les citoyennes, pour, pour se mobiliser. Alors, on a quand même fait des choses ensemble, parce que vous participez euh, notamment aux colis que nous avons fait pendant, pendant le, le, le confinement, Des, cette des, année aussi, des oui. milliers de colis distribués, et on ne le fait pas tout seul, on le fait avec le monde associatif, je vous remercie. Des associations qui participent aussi euh, à venir donner à manger le soir à notre centre d'hébergement à Robinson. Donc, soir. il y a des choses à faire, et j'entends qu'il y a encore beaucoup à, à faire. Et avec Sophia Louz en, en charge de la vie on a prévu de multiplier les rencontres, le forum associatif du, du mois de septembre, mais il y a effectivement de nouveaux événements euh, à faire. D'abord dire que euh, effectivement, la vie associative, c'est aussi la fête et les rencontres. Aussi. Et, et on veut faire de, je l'ai dit, de cette année euh, tout le mandat. La ville fraternelle. Il y a besoin. Euh, il y a tous les problèmes. Et vous voyez, on oui. ne fait pas des vœux pour dire que tout va bien. Il y a un débat et les citoyens... Il y a tous les problèmes. Et puis, on ne peut pas les... les... Je, vais être, je vais employer un mauvais mot. On ne peut pas régler les problèmes. En, en, en faisant la tête, quoi. Mm -hmm. euh, en faisant la gueule, mais non, en faisant la tête. <laughs> il faut avoir le sourire, et il y a de l'énergie pour... Euh, trop, on ne peut pas faire le bonheur des gens si nous-mêmes, on si, si, voilà, si ne nous porte pas l'envie le, de, de fraternité et de se retrouver. Et donc, euh, euh, avec Oscar Segura, donc en charge de la culture, mais de Jourdain aussi en charge des, des sports, on veut multiplier les événements pour se rencontrer euh, dans cette ville. Vous parlez des guinguettes, vous voyez, on est là depuis 18 mois, eh bien, on a créé, avec vous, puisque ce sont les associations qui qu ont fait la réussite des guinguettes en bord de Seine euh, cette, euh, cette année. On va refaire les premiers, 2 et 3 juillet prochain, nous allons faire de nouveau euh, les guinguettes euh, du monde, deuxième édition, c'est un événement créé de toutes pièces, un maire voisin, euh, ami euh, et un peu jaloux, m'a dit Bruno, vous avez à Corbeil-Essonne préempté la scène. Puisque ça sera un des grands marqueurs aussi du mandat. On a la chance d'avoir ce fleuve avec Maxime Podolac qui nous aide à mettre en valeur. Et puis, vous avez préempté les cultures du monde. Vous voyez, madame, Corbeil-Essonne, c'est une ville de monde. Moi, je suis super heureux, super fier d'habiter dans une ville où il y a plus de 100 nationalités différentes. C'est une chance! C'est l'avenir de l'humanité, c'est de se mélanger et de vivre tous ensemble. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais nous, on a ce parti pris là. Donc, on va refaire les guinguettes, on va faire de nouveaux événements culturels. Il y aura une édition pour les dix ans de l'œil urbain exceptionnelle d'expos photos partout dans la ville, avec notamment un photographe de 93 ans encore en vie, William Klein, et nous aurons l'honneur de l'avoir à Corbeil-Essonnes. Voilà. L'œil urbain, donc au mois d'avril, grand événement, avec des photos partout dans centre-ville, je, je réserve les surprises, mais aussi dans les quartiers. Je suis en mesure d'annoncer que nous allons créer une radio à Corbeil-Essonne. On va capter, j'espère, un canal Airtien et avoir la radio de Corbeil-Essonne pour vous donner la parole toute l'année, faire en sorte qu'on puisse se parler euh, 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 et échanger. Donc voilà. Et puis sur le plan sportif aussi, vous savez, c'est le moyen de, de se rencontrer. Et donc, avec Rénal Jourdain, on a, on a prévu des tables rondes avec le mouvement sportif avril, mai juin. Il faut que les, les sportifs se parlent. Voilà, notre objectif, c'est pas de dire on fait tout bien, c'est de donner les, les moyens aux gens de, de, de faire les choses. Et puis, euh, développer des rencontres sportives, les galas de boxe, euh, des courses cyclistes. Corbeil-Essonne va renouer avec ce super club que nous oui, avons, la SCO Cycliste, de refaire plein de courses cyclistes dans, dans, dans l'année. Et puis, euh, profiter du développement des sports nautiques. Donc voilà! Mais reprenez la parole et voyez une euh, palette de choses pour, euh, avec les associations, faire de la ville des événements. C'est un peu là-dessus que je voulais rebondir, parce que quand on a discuté en antenne, euh, il y avait une, une volonté, en tout cas, Kina nous disait... Euh, bah, ouais, en fait, on pourrait travailler ensemble. Il faudrait qu'on mutualise un peu plus nos moyens. Il faudrait qu'on ait des temps de rencontre, d'échanges qui puissent, qui puissent se faire. Avec euh, les autres associations aussi. Euh, moi, j'avais essayé, euh, il y a quelques années, on a fêté euh, la fête de l'enfance parce que ça se fête beaucoup en Turquie, mmh. c'est le 23 avril. J'avais sollicité beaucoup de, euh, les écoles euh, dans, dans le quartier où je vis et euh, pour savoir si les enfants pouvaient venir participer justement à la cérémonie. On fournissait les costumes, on, on leur apprenait à danser. C'était un problème d'assurance. Euh, le week-end, euh, c'était hors école, c'était pas possible, donc euh, c'est toujours restreint, quoi, en fait, et puis moi j'aimerais bien que tout Corbeil, ben, euh, un peu comme la guinguette, on se retrouve tous, euh, moi ça fait presque un demi-siècle que je vis à Corbeil, donc euh, j'ai passé toute ma vie ici, je suis arrivée directement ici, et je, 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 je suis pas partie, et j'aimerais recréer ce lien que j'avais quand j'étais enfant. J'ai l'impression qu'on a un petit peu perdu de ça, donc... Euh, je, j'ai investi un petit peu l'association pour ça, mais j'ai toujours pas retrouvé un peu ce lien que j'avais euh, mmh. avec euh, mes anciens camarades, euh, ce culturalisme, ce multiculturalisme qu'on avait à l'époque. Et très belles parole. Alors, en vous écoutant, je me dis, mais oui, alors on a quand même fait ce qu'on qu a fait, hein, notamment euh, la plage urbaine aussi, hein, oui. sacré moment de rencontre. Hein, imaginez, hein, événement créé toute place sur, de toute pièce sur Robinson, 60 000 passages, 12 000 personnes différentes qui sont venues, les familles se rencontrer. tous ceux qui n'ont pas la chance et, et pas le droit de partir en vacances, et ben, on, on a créé ça euh, à Corbeil. Mais en vous écoutant, je dis, on fait comme s'il si n'y avait pas eu le Covid. Mmh. Et, et quand même, accessoirement, il euh, est là. Je on et, et, euh, <laughs> tous contrariés euh, avec... Euh on a plus passé de temps à annuler nos événements qu'à qu les à réaliser. J'espère qu'enfin on va en sortir. Je, un petit clin d'œil à, à notre amie Martine Soavi, avec sa casquette santé, elle s'occupe d'urbanisme aussi de la santé, et à, à ce centre de vaccination qui est toujours ouvert donc au Palais des nous Sports. Avons là. Aussi un Exactement. Et donc dire que, voilà, il a fallu qu'on se batte, mais on a eu un centre de vaccination. Plus de 100 000 personnes ont été euh, vaccinées, ce qui me permet de saluer euh, l'ensemble du personnel communal et notamment euh, Cécile tous ceux qui ont œuvré à cela, les médecins, les infirmiers, c'est remarquable, c'est ça aussi le service public. Mais voilà, j'espère que la sortie de Covid qu'on nous annonce, hein, enfin, va nous permettre de multiplier les événements. Moi, je note. Hein, parce que les idées, c'est vous, hein, c'est euh, le 23 avril, cette fête de l'enfance. Oui. Eh bien, euh, Alors on va voilà. essayer euh, d'une façon ou d'une autre. Je sais que les deux dernières années, on a fait ça euh, via Zoom, euh, WhatsApp. Oui. Les enfants oui, avaient bien. appris ça, et puis ils dansaient tout seuls à la maison, mmh. et puis on filmait. Donc, oui. c'était pas là, terrible. Il faut il y une vraie fête de l'enfance. Euh, avant et, ça, c'était au et, Palais des Sports, si vous, que... vous vous souvenez, si vous avez participé à euh, deux années de Et vous coup, êtes modeste, parce qu'ils ont, euh, nos, nos amis de la communauté turque, une, euh, des locaux remarquables. Je les ai visités, vous êtes rue Emile Zola, je vous invite vite euh, les Corbeçonnois à aller voir, à se mélanger, comme vous dites, oui. puisque vous avez un centre commercial, vous avez des structures de jeux pour les enfants, vous avez une bibliothèque, vous avez des, une salle pour faire des, des, des recevoirs et donc euh, allez visiter et je vous promets, il faut qu'on fasse, mais le Covid nous en a un peu okay. empêché quand voilà. même, hein, voilà. un événement ensemble avec euh, votre communauté, vos vos, vos, vos bâtiments euh, qui ne sont pas publics, qui vous appartiennent, mais que vous êtes prêts à partager, voilà. c'est important de le dire euh, dans, euh, dans, oh, euh, dans cette ville. – C'est ce qui m'a frappé moi, quand j'ai eu euh, Kina au téléphone, elle m'a dit, bah, moi je veux juste euh, recréer de la relation humaine et, euh, et je trouve, euh, je, je trouve cette parole forte et, et importante. Et bon, quelque part, voilà, on, on, on termine ce, ce, ce temps-là aujourd'hui là-dessus, et c'est sur une, je dirais, sur une démarche positive, parce que vous me disiez aussi, bah, nous, on est pris à filer un, un, un coup de main, à aider, euh, et on ne demande pas d'argent. On veut non. juste faire les choses avec les gens. Donc, j'en profite. Hein, euh, effectivement, comme l'a dit Monsieur le Maire, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association, enfin, de l'Union euh, franco-turque, euh, pour pouvoir, voilà, mettre en place différents projets, si vous le souhaitez. Euh, n'hésitez pas. Euh, merci beaucoup. Kina d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Au voilà, on arrive à, à, la, à la fin de, de cette cérémonie des des vœux euh, de Monsieur le Maire. Alors, vous l'aurez. Vécu, je l'espère, euh, sympathiquement, hein, avec un temps d'échange comme ça, avec des habitants qui ont joué le jeu. Monsieur le maire, je vous remercie aussi d'avoir joué le jeu. Euh, L'idée, c'était d'avoir quelque chose qui soit naturel, sincère. Euh, je pense que vous avez essayé tous de, de travailler dans ce sens-là. Donc, j'espère que ça donnera euh, bah, de, de, de bons espoirs pour pour cette année 2022 à venir. Peut-être un mot de la fin et oui. on rediffusera le film. D'entrée euh, d'émission pour ceux qui l'auraient raté euh, en arrivant à, à 6 heures. Deux idées pour l'année euh, que je n'ai pas eu le temps de, 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 de préciser. Notre ami vient de partir, mais euh, je, je pense euh, en l'écoutant euh, à cela c'est qu'avec Assad ou Kouré, qui est en charge de la coopération internationale et des jumelages, ça va dans en le fait de se rencontrer. Nous allons redévelopper les jumelages, je le dis. J'ai rencontré la, nos amis de l'AOP, les port origines portugaises, la semaine dernière. On va redévelopper le jumelage avec Sindenfinged. Il faut que Corbeil-Essonne s'ouvre au monde, mais déjà avec nos villes jumelées. Euh, on va recréer le jumelage avec nos amis portugais. Et justement, je pense qu'on a une grande communauté turque à Corbeil-Essonne. J'aimerais qu'on ait un jumelage aussi euh, avec nos amis turcs. On aura l'occasion d'y retravailler. Une autre idée importante que je n'ai pas pu évoquer, mais c'est en 2022. Avec Pascal Prigent, en Charge de la régie publique de l'eau. Corbeil-Essonne, cette année, est passé sous l'égide de la régie publique de l'eau avec Grand Paris Sud. Je salue son président à l'occasion de ses voeux, Michel Bisson. Et le prix de l'eau va baisser dès cette année à corbeil C'était une année importante parce que euh, l'aîné voilà, aussi du, du service public. Voilà, pour conclure, on a un peu dépassé. Moi, je ne serai pas long. Je dirais que euh, 18 mois que nous sommes ici. Euh, une chance extraordinaire, Corbeil-Essonne, 40 km au sud de Paris. Euh, la réussite du, des projets de, de Corbeil-Essonne qu'on vient d'évoquer, c'est aussi la réussite de, de ce territoire. Je sais que les, mais les maires voisins, mes collègues des vricourt couronne de l'autre côté de la Seine, de Risse orangis de Mency, le préfet, euh, sont attentifs à la réussite de ce qui va se passer ici, revaloriser Corbeil-Essonne. Euh, je crois que notre marque de fabrique, c'est d'utiliser euh, nos propres leviers. Vous voyez, les habitants... J'ai toujours pensé que la richesse de corbeil essonne c'était pas celle d'un homme, quel qu'il soit, mais que c'était les habitants. Et on a une richesse ici critique, constructive, toujours, toujours positive pour mieux vivre ensemble. Et donc euh, ma responsabilité avec les 34 élus, les 33 et moi, 34 élus de la majorité, c'est euh, de libérer les énergies, les intelligences, les disponibilités dans, dans cette ville et euh, de donner euh, euh, chapitre à tous les créateurs dans, dans tous les domaines. Voilà, il s'agit euh, qu'en 2022, il s'agit pas Tant que j'ai confiance en moi, que les redonner la confiance dans les habitants en nous pour réussir euh, cette année fraternelle. Merci euh, Monsieur le Maire. Tout plein de bons voeux pour la ville de corbeil essonne Je vous remercie. rendez-vous demain. Oui. Des rendez-vous demain. Oui, hobby, tout à fait. Voilà. rendez-vous demain. Rendez demain, demain. On a eu l'autorisation dans. Euh, 12 endroits, vous verrez ça sur le site de la ville, à l'hôtel de ville, à l'espace Charlotte Ansard, à l'école Paradis, Jules Ferry, l'école Léon Cassé, la MJC Fernandesier, l'école Steg, le gymnase de Jean Massé, l'école primaire de La Nacelle, le gymnase de Montconseil et l'école Joliot-Curie et l'école Pressoir-Pron, à 11h demain matin. Tous les élus de, de, bon, de la majorité élus, habitants, vous rencontreront. On aura même le temps, j'ai eu le directeur de cabinet du préfet, de boire un petit café. Ah. Donc, demain, 11h, dans tous ces lieux, pour euh, échanger avec vos élus. Toutes les informations. Bonne année, bonne année à vous toutes et tous. Toutes les informations sur le site de corbeil essonnes Et puis, bah, je vous propose de regarder le petit film pour ceux qui l'auraient raté. Et puis, je remercie toutes les équipes techniques Merci, en oui. régie. Et puis, une spéciale dédicace à l'ami Elisabeth. Merci à tous.